Dolph. Alors attendez 2 secondes s'il vous plaît avant de commencer. Ils vont pas écouter, ils vont commencer. Quel stage les petits amis? Ok, très bien. Eh ben c'est bon pour moi. Ouais. Allez, c'est parti. C'est parti, je sais pas pourquoi c'est écrit en loser, mais c'est pas grave. Voilà, on est bien. Ok. Donc, le petit Ganon qui met le smash qu'il faut quand il faut, ça commence à prendre des petits pourcents d'avance. C'est joli d'un air, pardon, parce qu'il n'a pas connecté sur quelque chose d'efficace. Par contre, ouais, c'était très bizarre le Bakar qui n'est pas passé, qui passait sous le Kazuya pendant qu'il faisait son F-Smash. Ça fait partie des interactions de Smash Bros. Qui dégoûtent. Et oui, par contre, c'est Evensdorf qui vient mettre très bien nos amis Silk et Max Ray, parce qu'ils étaient en gros déficit de pourcentage. Et ça a mis évidemment les 40 plus pourcents qui vont bien tout le kill. Et ça réagit direct de l'autre côté avec un gros up smash qui va bien. Et on voit, hein, ça essaye de coincer les adversaires ou up tilt sur les plateformes et à mettre des gros up smash derrière. Oui, le side event c'est là typiquement Oxydion et... Oxydion contrôle que le stick et JG contrôle les touches. Oxydion le stick et la gâchette gauche et JG les touches et la gâchette droite. Je crois qu'il joue pas à la box ici. Ok. Donc en expliquant, je vois ce qui s'est passé. Par contre ça c'est la mort. Non, c'est pas la mort. Il y a peut-être mieux à faire. Par exemple du style dash sur ton adversaire pour le pousser un maximum offstage. Et après charger ton smash, je pense que ça aurait été plus... Ah dommage. Ils sont trop chauds. Ils sont trop chauds. 1-0 l'équipe Kazuya. Bah oui. Ah merde. Il s'est passé des... Bah c'est ce que j'ai fait là. Je vous jure que c'est ce que j'ai fait. Mais pourquoi ils ont foiré là? Non. Ouais, y a un truc qui a bugué. Mais voilà, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Oh là là. Ouais, oh, y a un problème. Non mais je vais faire comme ça du coup. Mais non. Non, c'est bizarre. C'est bon là, ça a marché. Ouais, il se passe des choses bizarres sur. Il y a encore des petits bugs. Et c'est pas eux qui ont le score, c'est eux. C'est pareil, c'est chelou. Qu'est-ce qui se passe là? Mais non! Et attends, ça fait que des conneries. Attendez, il se passe des choses bizarres là. Bon, désolé, j'arrive pas à faire fonctionner le truc. Que tout est bon sur mon deck en gros, et sur l'écran ça me donne pas ce que j'ai envie que ça donne. Hein? Bon, tant pis. Tant pix. Ouais, tant pis. On va laisser comme ça.
juste problème avec un joueur 2. Donc du coup GG Oxydion qui s'en sort plutôt bien sur cette game là. Et ça a l'air de bien se passer. Un gros smash quand il faut, où il faut, pour venir égaliser les stocks, mais pas les pourcentages, parce que un gros coup comme ça, évidemment, c'est le Ganon qui va venir égaliser. Et on va entrer dans cette phase finale. Dans cette phase finale, dans ce match final. Attends, là, franchement, il y a un truc très bizarre. Bon, là, ça marche. Et là, si je fais ça, c'est bon. Mais non. Je comprends pas comment ça va. C'est bugué. J'arrive pas à faire fonctionner. Bon, tant pis. Alors, on va voir ce punition d'un smash. Punition d'un smash. Très drôle. Alors, comment vont s'en sortir les joueurs de Kazuya avec ce qui se passe? Oh le. Le coup de pied de Kazuya. Ah. Oh super stylé. Bravo. Oh, c'est la mort là. Bon, ça n'a pas puni. Aïe aïe aïe, ça va être dur. Ça va être dur. Ça remonte pas. Ça remonte pas. Ça a appuyé sur B, l'autre a appuyé sur côté. Alors qu'on voulait appuyer. Bah sur O. C'est malheureux. On perd une stock comme ça. Le Ganon lui qui remonte quand même bien. Oh, ils ont fait se tuer. C'est du 1v1 mais 2v2, voilà. Ouais, c'est l'édition ma moitié entre parenthèses de manette pour la Saint-Valentin. Voilà. Mais c'est la grande finale, après on passe au vrai tournoi. C'est la fin du side event là. Et ouais, on a eu un petit. À chaque fois je vois des clans, ça me fait trop peur. Ah, ils ont essayé. Ils ont essayé clutch, ils avaient réussi à faire ça. Parce que mine de rien, aller off stage et tenter des trucs à deux sur une manette comme ça. Ouais, c'est juste après le 1v1 Indy. D'ailleurs, t'as loupé la team voilà. Le pop-up. Le pop-up. Ça me tue. Ouais, t'as loupé la team